Bonjour à tous et à toutes, ici IT Jaybreak. Et dans cette vidéo, je vais vous présenter un tweak payant sur la source de Big Boss qui s'appelle Beacon comme ceci, payant au prix de 0,99$. Ce tweak va vous permettre de modifier le boot logo lorsque vous effectuez un respring ou lorsque vous redémarrez votre appareil. Le boot logo, c'est-à-dire lorsque vous redémarrez votre appareil, il y a la pomme blanche d'Apple qui va apparaître pour ensuite laisser apparaître votre springboard ou votre écran de verrouillage tout simplement. Grâce à Beacon, vous allez pouvoir modifier ça. Lorsque vous avez installé le tweak, une rubrique apparaîtra dans les réglages, donc sous le nom de Beacon, et une option est modifiable qui s'appelle la transition style. C'est la transition qui va apparaître lorsque vous allez accéder à votre lock screen une fois le redémarrage effectué. Donc moi, vous pouvez voir que j'ai coché flip from right, mais vous avez une liste d'environ 7, je crois, 2, 4, 6 et 7 effets. Donc vous choisissez celle que vous voulez. Moi, je vais effectuer un respring pour tout simplement voir les changements. On va voir ce que ça fait. On lance le respring. Le respring est en train de s'effectuer. On va attendre que la pomme d'Apple apparaisse. La voici. Un petit effet va arriver, comme la première utilisation. Et vous pouvez voir que mon appareil a fait un flip, c'est-à-dire que l'écran de verrouillage a apparu comme ceci. Donc on va choisir un autre effet dans les réglages. On va aller dans la section de Beacon encore une fois. Je vais lever légèrement mon appareil. Et on va mettre une autre transition, par exemple. On va mettre Curl Up comme ceci. Et on va voir ce que ça donne. Encore une fois, on va effectuer un respring pour voir les changements. On s'effectue. Le petit effet et la page qui se tourne comme je l'avais configuré dans les réglages. Donc ça s'est bien appliqué, voilà à quoi ressemble ce tweak. Très simple, mais en même temps ça vous permet de personnaliser complètement votre appareil. Et c'est ça qui donne le petit avantage à ce tweak bien sympa pour iPad. Donc voilà, c'était IT Jaybreak. N'oubliez pas de vous abonner à mon compte Facebook et à ma chaîne YouTube. Et de bien évidemment visiter mon site internet itjaybreak.com où je poste toutes mes actualités et mes vidéos. Merci.